Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Nexomon. On va retourner voir les champions avec Atlas qui va pas être content de ce qui va lui arriver, je pense. Bizarrement. Alors, Ellie. Ouais, prêt, ouais. Ok. Allez combattre, on est prêt. Enfin, prêt. En tout cas, on a fait les boutiques et tout, quoi. Bon, c'est évident qu'on serait obligé d'affronter Glacia, qu'on n'allait pas réellement choisir. Hein. Ça paraît logique. Cette bataille pour le Nexolord là. Quoi? Glacia, oui. La subtilité d'Atlas, hein. Répondre à la question, c'est important. La genre ta couleur préférée. Genre ça pouvait pas prendre Glacia avec, hein, vraiment. Merci Atlas. Elle me fait peur quand même, hein. Voilà, on a 600. Bah évidemment, en plus qu'elle m'envoie ça. Oh, t'aurais pu one shot, hein, t'abuses. Fais un effort ou quoi. Non. Tu n'esquives pas. Aïe, je refuse. Non. Non. C'est pas cool, hein. Je sais même pas ce qui est efficace sur lui en plus, j'en ai aucune idée déjà. Oh, c'était un bouclier, un truc. Oh, chiant. Effectivement. Mais quoi? Vas-y, c'est dégueulasse. Ouais, bon, je vais ressusciter le starter. Oh, vas-y, t'aurais pu résister derrière, hein. Ça m'aurait été utile que tu sois là en plus. Oh, trop chiant, hein.
Oh oh. Bah là... Amtaro, essaye un peu... de level up toi aussi. Ah ouais? Terrible. Ouais, bah je vais d'abord me soigner avant d'aller à la tour, même s'ils vont faire un camp là-bas apparemment, mais... Quel est ton plan pour le combattre? Les revitalisants et les potions. Quoi, c'est pas un bon plan? Et puis espérer qu'il manque d'endurance et que du coup j'ai un coup gratuit. Parce que pendant un tour il pourra pas attaquer. Voilà, c'est mon plan. Le farm, bah pas vraiment du coup, quoi. Voilà, mon plan c'est ça. Ouais, bientôt, on se reverra très vite. Hein. Après, je peux peut-être acheter des petits trucs. Hein. Merde. Et Re-Sidoroma. Bah parce que il me faut des trucs mais j'aime bien les controns quand même donc c'est chiant. Bon en vrai pour l'instant ça ira. Ça marche, bon retour Miel, bonne route à toi. Je vais sauvegarder, ça fait longtemps. Elle était marrante à me demander si j'avais un plan quand même. Hein. Non. Ah ouais, le camp c'était vraiment juste là quoi. S'il s'agissait d'une sorte de jeu vidéo, je dirais que nous sommes proches de la fin. Comment te dire que tu entres en phase finale quoi. Thank you.
Ah, merci d'exister, Atlas. J'ai peur. Non, mais je voulais pas. Ah, j'ai peur, je sais, mais je voulais pas faire ça en fait. Je voulais juste aller à gauche pour parler, parler aux autres. Ah, tu me parles pas, toi? Toi non plus? C'est bizarre, j'ai le truc A pourtant. Bah, bonne journée, Sidorama, du coup. Génial. Oh, revitalisons. Crois-tu que la tour du Nexomon a du chauffage? C'est marrant tout ce qu'on trouve. Quoi? Parce que genre j'aurais pu en trouver un autre ici à la fin du jeu, genre. Ah non mais... Ah ouais, là c'est un multiplicateur et là c'est un partageur. Mais ouais, c'est pas compatible avec des trucs similaires, mais bon. Bah c'est génial, hein. En même temps, elle va pas nous spoil, quoi. Ça a l'air cool, faut bien un coup. Mais ouais, mais déjà, bah là, ça tombe mal en termes de VOD. Donc je le ferai pas. Et parce que je vais pas farm en pleine VOD, c'est pas intéressant à regarder. Et puis si ça fonctionne pas pour tout le monde mais pour un seul Nexomon à la fois, c'est chiant en fait. Ah, je fais le conseil 4 avant. Aïe, ouais, gros tabassage, ouais, effectivement. Elle porte bien son attaque. Enfin, le nom, enfin, cette attaque. Elle m'a... Ouh. Non, mais oh. Suffit. Oh, on l'avait, lui, au début de l'aventure. Enfin, il devait évoluer en ça. Aïe. J'espère qu'il me soigne, hein, du coup, après, quand même. Ils sont gentils quoi de me tester mais mais bon voilà quoi. Bon ça a l'air de se cumuler les deux items.
qui disent si c'est un truc similaire, ça marche pas. Tu pourrais... Non, mais tu pourrais me soigner avant. Ouais, j'ai espoir d'avoir un truc qui me soigne derrière, mais j'espère peut-être un peu trop. Hein. Surtout quand on me donne des potions et tout, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de truc pour me soigner, hein. Dans le doute, au pire, avec ce qu'on trouve au sol, ça va, quoi. Juste pour lui. Pour qu'il continue à XP. Là, je l'avais pas vu. J'aime pas trop cet endroit. Ouais. Amusant. Vraiment. Avec tout ce qu'on trouve comme item, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Hein. Franchement, ça donne confiance de ouf. Ça rappelle un peu la zone finale aussi de Nexomon 2. Ouais. Ah, on va voir sa vraie forme. Oh non. J'ai pas envie. Ouais, t'es stylé comme ça, mais... mais ouais. Ouais, Fauna du feu éternel, ouais.
dors pas longtemps, hein. J'espérais esquiver un coup. Hein. Allez. Ouais, y'a pas de temps à perdre, ouais. Ouais, mais bon, vous pourriez me soigner avant que je partage. Ah, voilà. Une force mystérieuse a restauré votre groupe. Merci. Non, parce que bon, si, sinon ça va me coûter. Arrivé à Omnicron, j'aurais plus rien, quoi. Ah, merci, hein. Après le feu, l'eau. Ah, c'était sûr. Allez, suivante. Elle va me faire mal, elle, hein. Ça va pas être la même chose, hein. Oui, bon, t'as déjà vu, t'es pas obligé de te présenter, hein. T'as voulu faire couler notre bateau, je te rappelle. J'ai l'idée aussi de passer chez l'eau. Ah là là, non, ouais. Ohé! Déjà que je vais pas t'attaquer beaucoup avec mon starter, esquive pas s'il te plaît en fait. C'était sûr. Putain, la berceuse avec lui, ça servira à rien pour le coup. Hein. Okay.
non, je suis empoisonné. T'es chiant. Hein. En vrai, si je suis soigné après, je vais garder mon loot. Hein. Il va mourir, je finis avec quelqu'un d'autre et voilà. Ah ouais, l'esquive, il m'a régalé, hein, vraiment. Et tu vas venir faire le malin maintenant, toi. Let's go. J'avais pas... Je me demandais par où j'allais passer. J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait aller là-haut, par contre. Hein. Mais ouais, c'est la même zone, en fait. Je sais, ça me fait penser à la zone finale dans Nexomon 2, mais en... c'est la même zone. Ça me parle encore plus. Ah, des Nexomon sauvages ici? D'accord. On avait peut-être pas encore croisé, je sais tout. Bah voilà, les petits level up là gratos. Qu'il a lui encore. Bon, c'est elle qui est censée être surpuissante dans le 1 quand ils ont c'est des Devel qui parlaient dans le 2, je crois. Faut dire qu'elle est chiante, elle se soigne, mais arrête de te présenter, on t'a déjà vu toi aussi, hein. Ah. Oh, ça va aussi. Non mais. Je t'attends à ce que ce combat, le combat se lance au deuxième truc et... On lui saute au-dessus direct, quoi.
Oh putain, ouais, tu vas me casser les couilles, toi, vraiment. Aïe aïe Petit élixir en vrai, vu ce qu'il me reste en... On va peut-être pas déconner en vrai. J'allais te tuer, t'abuses. Oh, pas beaucoup d'XP, franchement c'est décevant. Non. Bah non. Oh. J'allais dire, elle est où la force mystérieuse qui restaure mon groupe? Merci. Ah, je recroise pas le... Omicron peut-être. Yes! Oh, je le tue pas trop mieux. Faudrait que moi je level up pour récupérer tout en vrai un seul et c'est bon je pense. Toute ma vie, toute mon endurance quoi. Ouais, voilà. Bon, on fait que ça, j'en peux plus. Ah, il va arriver dans le décor, là. Il faut pas être si méchant que ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ça va en vrai, hein. Il est grand, mais il est tout fin, quoi. Je vois maintenant, ouais. Atlas A.
va rester à côté de nous, là. Aïe, 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 aïe. Je sais même plus ce qui est ultra efficace sur, sur lui, sur la foudre. Les rochers, je crois. Ah bah non, la plante, c'est vrai, la plante. Amtaro. C'est vrai que c'est pas logique, mais voilà. Ah, c'est roche et plante. Bon, ça va, je me rappelais un peu. Tout. Qu'ils prennent l'XP quand même en fait hein. C'est ça qui est chiant. Bon allez, le loot est plus important pour la fin. Du coup, Amtaro qui esquive. Ouais, mais t'esquiveras pas jusqu'à la fin, Amtaro, en fait. Non. Fais le malin, toi. Non. Tout ce qu'il reste, mais non, c'est le Dexolord de Omnicron Z, tout ce qui reste, ouais. Vraiment, bof. Ils ok quoi. Une formalité en tout ce qui reste. Le fou. En vrai, ils viennent de faire une sauvegarde auto, mais hop. Non, parce que je vais pas le one shot et c'est chiant après. Il reste qu'une seule chose à dire, bon courage, c'est rassurant. Il y a du loot dans la plante ici aussi, j'imagine, oui. C'est ici que je vais faire ma sauvegarde en fait. Non, 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 ça abuse pas. Cet endroit m'inspire une confiance. Je te rappelle un vieil ami. Oh non, une histoire vraiment. Thank you.
Ah d'accord, ouais. Ah, super. Ce monde entier pourrait même être un jeu vidéo. Des enfants pourraient être en train de nous regarder à travers un écran. Non mais... C'est Atlas qui fait ça d'habitude. Yes, bonne ambiance en arrivant ici. Oh, par contre, Spencer, tu l'as mérité la bosse sur ta tête, hein. Vraiment, on n'en peut plus. Hein. En vrai, ça va, je suis presque niveau 60. Hein. J'étais niveau 50 à la base, ça va. J'allumerai votre trame ancestrale, ok. Oh, j'aime pas ça. Hein. Ah. Eh mais c'est le début du jeu, non? C'est comme ça que le jeu a commencé. C'est exceptionnel. Pixekai est un vrai monde en plus, c'est un jeu qui s'appelle Micromon. Sérieux? C'est un jeu mobile, j'imagine. Mais bizarrement, quand il en a parlé, je me suis dit ça m'étonnerait même pas que ça existe vraiment à côté. Hein. Préquel spirituel de Nexomon, peut-être jeu mobile créé en 2014. Oh putain, c'est pas si vieux entre guillemets. Bah, c'est exceptionnel qu'ils aient fait un truc comme ça à côté avec un autre jeu où tu peux vivre dans le monde de Pixekai du coup. Franchement, ceux qui s'occupent de ça, c'est des génies. Hein. Je kiffe. Ne mouille pas ton pantalon, gamin, tu n'es pas seul dans cette bataille. Bah, j'ai peur quand même, hein. Et c'est bien le même prof en plus, celui qui a pas de nom. Non mais ouais, ça m'étonne pas, ouais. C'est trop cool en vrai. C'est masterclass de faire ça. Hein. Ah mais je le rebats lui du coup. Oh, là, là. J'ai pas envie de finir avec lui, mais... Mais ouais, c'est vraiment masterclass d'avoir fait un truc comme ça, vraiment... Ils sont trop forts, ils sont vraiment trop forts.
Par contre, je dois rebattre tous ceux... Ouais. Avant d'aller le voir, lui. Sauf que là, ils ont moins de PV, j'imagine, parce que entre guillemets, on les affronte pas tout seul, peut-être un délire comme ça. Mais là, ils me soignent pas vraiment entre deux, c'est chiant. Hein. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais je sais pas en fait s'ils vont me soigner après, parce que sinon j'irai direct sur les maxi, mais ça me fait quoi. Ouais, je vais en profiter du coup. Parce que si j'étais sûre qu'il me soignait à la fin avant le combat final, je mettrais même pas les maxi, mais bon, j'ai peur, donc... Dans le doute... Ok... Faire un dernier petit truc. Avant d'aller au resto et rentrer, vous commencez à m'emmêler les étoiles. Profite bien, Laura, profite bien du resto. Bonne soirée à toi, des bisous. Aïe! J'aime pas cette attaque. T'es chiant. Ouais, fais ça si tu veux. Hein. Oh non, je suis confus. Putain. C'est relou. Et coucou Dindon, comment ça va? Il va se calmer lui, hein. Vas-y, la confusion, au moment, passe toute seule, s'il te plaît, ça m'arrangerait. C'est gentil. Parce que combat suivant, sinon... Ça va être compliqué, hein. Ah, vas-y, fais ton truc.
Salut, il est une modératrice. Atlas. Ouais, je le ressusciterai, mais bon. Tu veux me faire switch en fait, prendre le risque. Putain, inefficace, mais il me met trop mal quand même. Oh putain. S'il te plaît. Non. Ça marchera pas. Hein. Je crois qu'il veut pas doudou en fait. Hein. J'ai besoin que tu me rates en fait là. C'est ça le truc. Ah merde. L'inefficace qui me tue aussi, ça dégoûte hein. Bon, résiste un peu toi s'il te plaît. J'ai besoin de m'occuper d'autre chose. Il est là pour au moment lui. Hein. Moi il restaure son endurance. Mais c'est lui qui est sur l'écran d'accueil du 2, n'empêche. Parce que j'avais dit, il ressemblait à Xerneas sur l'écran d'accueil du 2. C'est quoi ce type normal? Mais j'ai même pas ce qui est efficace sur le type normal. Rien. Génial. Ah ah ah!
Aïe! Eh! Tu triches aussi! Non mais oh! Mais ouais, mais non, mais je peux pas esquiver! S'il te plaît, esquive! Hein. T'avais qu'à esquiver. Fallait esquiver, hein, vraiment. Ouais, bah heureusement, ouais, mais bon. Compliqué de savoir s'il va faire ça ou pas. Hein. Oh là là. Ouais. Ah, l'aléatoire de merde. Son endurance, elle se fatigue au bout d'un moment. Ça rapporte combien ça, 120? Ouais, vas-y. Hein. Évidemment que non. Ah putain, c'est pas comme dans le 2. Ah merde. Que je misais sur ça un peu, moi j'avoue. Hein. Mais celle-là, elle est pas censée être efficace contre moi, ça me saoule, c'est mon type, ça dégoûte. Fais-moi un truc pas efficace, putain! Je peux pas l'esquiver, il veut pas. Hein. Je vais pas esquiver ou refaire la même chose. Mais ça passera jamais! Quel enfer. Il me fait trop mal ce con, il me fait trop mal. Fais-moi le truc le moins efficace, s'il te plaît. Après là techniquement je l'attaque deux fois, mais est-ce que ça se termine là ou pas? C'est
C'est quoi ces points d'XP là? Ah, ça se termine là? Parce que j'étais pas obligée de m'enquiquiner avec autant de soins du coup. Parce que moi je voulais me soigner parce que je pensais que ça passait pas sinon, mais du coup ça passait bien avant que je fasse tous ces soins. T'as toujours le risque de rater une attaque après. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Omnicron, the evil king of the Nexomon, has finally been vanquished. The Nexolord has been defeated, and our hero has become his rightful successor. Our world is saved, and the darkness that threatened humanity is gone forever. At long last, all is finally good. Or so we thought. Donc même à la fin du premier, ils annonçaient qu'il allait en avoir un deuxième, en fait. Incroyable. Et coucou Omega, comment ça va? Merci beaucoup pour ton lurk, en tout cas. Merci énormément. Et voilà, la fin du premier Nexomon. Bah, j'ai adoré autant que le deuxième. Hein. Vraiment, cette licence, elle est exceptionnelle. Hein. On n'a jamais combattu Nexor lui-même, je me trompe. Bah, en soi, c'était un des pouvoirs avec Omnicron, quoi. Mais ouais, en soi. Je s'en suis taillée. Non, franchement, cette licence est incroyable. J'avais adoré le 2. Et quand le premier est sorti sur console de salon, j'avais hâte de le découvrir et je suis vraiment pas déçue. Hein. Il y a vraiment tout, le gameplay est cool, enfin, la difficulté est cool, le fait de devoir bien gérer son endurance et tout, parce que c'est pas comme Pokémon, c'est pas des PP et tout, tout ça. Le fait de devoir bien gérer son endurance et compagnie, c'est grave cool aussi. Mais non, franchement. Puis l'humour, comment ça brise le quatrième mur dans le jeu, tout ça, enfin, j'adore cette licence, vraiment. Ah là là. Je dois pas avoir la rêve d'un don. Mais ouais, franchement, cette licence est incroyable. Bah ouais, même Omnicron, mais remplacer le I par un H, t'avoue, j'ai Omnacron, mais je... Ah, pour... Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas envie de parler de ce connard de président, mais... Ce connard de président que j'ai eu le droit dans la lettre de départ de mon père. Non, merci. C'est un nom que je n'accepte pas de voir ici. Oh.
Oh, cette licence est incroyable, hein. Tout le monde devrait jouer à Nexomon, hein. Vraiment. Ça passe tellement au-dessus de Pokémon, notamment, hein, pour un jeu similaire, entre guillemets. Mais cette licence est folle. Et même là, le fait qu'il parle d'un jeu, d'un monde parallèle, et qu'en fait, ce jeu avec le monde parallèle existe vraiment. En jeu mobile également, c'est un truc de fou. Bon, celui-là, j'ai très peu espoir de l'avoir un jour sur console de salon, mais sait-on jamais. Après tout, Nexomon, le premier qu'on vient de terminer là, était un jeu mobile à la base, et maintenant, voilà, mais... Ah, mais l'écran a changé, du coup, l'écran de... C'est incroyable. Du coup, Dina, c'était la championne de la nature, si je me rappelais bien du 2, où j'ai... Non, c'est bien ça, c'est bien ça. On l'apprend, là, à la fin. C'est exceptionnel. Ce jeu est dingue. Cette licence est dingue. C'est un peu triste de le terminer, mais en soi, on a respecté la durée de vie du jeu, hein, clairement. Et on est pile poil dans ce qui était estimé. Et en tout cas, vraiment dinguerie. Hein. Surtout que ces jeux sont vraiment pas chers. Et ils sont bien complets pourtant. Comme quoi, on peut faire un bon jeu à un prix très très bas et avoir un bon truc sans 50 DLC derrière, quoi. Hein? N'est-ce pas? Vraiment. C'est parce qu'il y a un post-game, mais j'ai l'impression qu'il... J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'histoire. Ah! Ok. Bon, en tout cas, nous, l'aventure s'arrête là. Est-ce que je ferai le post-game ou pas? À voir. Je peux pas garantir que cette vidéo verra le jour. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, pour YouTube, c'est là qu'on va se laisser. Et donc, je vous fais des bisous, YouTube.